voici arrivé au Moulin de Sauvage. Comme vous le voyez, cet endroit est vraiment dédié à la pêche et c'est un pur bonheur d'être ici. Dans cet épisode, vous allez voir que nous avons des invités prestigieux. Je vous propose de vous présenter dès maintenant la première équipe. Et me voilà en compagnie de la première équipe. Vous reconnaissez sans doute ces têtes déjà, qui vous sont sûrement connues. À commencer par toi, Fred. Capitaine Julien pour les intimes, on peut dire. Merci de nous accueillir. Ben, c'est avec grand plaisir. Pour nous, c'est vraiment un honneur de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ouais, bah, écoute, c'est aussi un honneur pour moi parce que c'est, je crois, une première en France. Donc, c'est vraiment sympa d'être là. Déjà plus de 20 000 abonnés et vous êtes très nombreux à le connaître et à apprécier tout ce qu'il fait. C'est notre ami Julo. Salut Julo, ça va? Ouais, nickel, bon. Pareil, un peu de pression. On va s'amuser avec des copains et dans un super cadre. Wow. Et avec des pros. Vous l'avez vu, on a pris des youtubeurs, on a pris des gens qui sont dans le métier depuis un petit moment déjà. Et Fais attention à ce que tu dis. Non, j'ai dit un petit moment un déjà. Petit moment. En plus, vous verrez la photo qui est juste derrière moi et vous verrez, il a pas vieilli, il a pris une ride. Pas du tout. J'étais vieux, très jeune. Les gars, il voit en tout cas où c'était une très belle compète pour demain. Des très beaux poissons, des beaux résultats. Là, on va passer de suite à la présentation de la deuxième équipe. Toujours en direct du cabanon du Moulin de Sauvage. Du frigo. On n'a pas froid et vous avez reconnu derrière moi des têtes, des têtes connues. On est en compagnie de Gaël Even et de mon cher Kalito. Gaël Even, je pense que tout le monde le connaît, content d'être ici. Tu connais bien l'endroit, apparemment? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je l'ai pêché une fois. Ah d'accord. Et pour descendre, donc pas du tout, c'était un client qui voulait se faire du mal, on va dire. D'accord, ok. Toi, t'as pas droit à ta photo là, sur le mur là. J'ai pas pêché le moulin avec Vincent, donc... Ouais. Voilà. Bah, tu l'auras peut-être après ce week-end. C'est vrai que comme moi, je suis carrément l'autre côté de Paris. D'accord. Toi, il y a comme une barrière qu'on hésite à franchir c'est... juste pour un coup de pêche. C'est la Seine, mais plutôt... C'est la Seine après Paris. Ouais. C'est vraiment broché perche ici plus que le reste. La particularité, c'est qu'il y a la Seine, mais il y a des bras morts. Des bras morts, ouais. Donc, on va monter pas mal de cannes à broc et puis 2-3 cannes à perche. Et toi, non, une préférence pour pêcher demain, pas plus Ah ben non, moi je vais essayer de m'adapter au lieu déjà. Je comprends un truc, c'est que toi tu apprends sur le bateau, parce que moi je serai pas avec toi. Ouais. Et tout ce que t'apprends, tu me apprendras. Je te retracerai. Bon. Bon, je vous avoue qu'on a fait tous pas mal de route pour arriver là ce soir. Donc je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'aller préparer les cannes déjà, mais après on va aller se coucher pour essayer d'être en forme demain et d'attaque dès le lever du jour. A demain tout le monde. Est palpable. C'est parti. Allez, commencez. First cast. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Battle Fish Friender spécial Ilex Gunky. Tout au long de cette compétition, je serai accompagné de Vincent. Salut Vincent, ça va? Très bien, et toi? Bon, très bien. Et notre but, c'est vraiment de vous immerger dans l'action et de vous faire comprendre les choix stratégiques des compétiteurs. Vincent sera là pour nous aiguiller et nous éclaircir sur tout ça. Et en attendant, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on a reçu déjà via Fish Friender le premier poisson via l'application. Nous avons été notifiés donc de la première capture donc de Frédéric Julien sur une perche. Donc, on va l'ouvrir. Hein.
perche de combien ? 28 cm. Oh. Une perche de 28 cm, on va la montrer. Ça démarre. Voilà, premier poisson du jour. On va suivre comme ça l'action tout au long de la journée via l'application en temps réel. On va de suite aller voir sur le bateau de Frédéric et de Julo ce qui s'est passé exactement. Ouais. Touche. Ah, touche. Au petit tipsy là. Poisson, premier. C'est joli. Ah, jolie perche. Yeah. Ça fait quoi ça? Ça fait 28, je dirais. 28, ok. Super. First fish. Yes. Tac. Merde, oui. J'ai oublié. Non, j'ai oublié de la... Je l'ai relâché sur le spot. C'est parti au G-bump. T'as vu, on les entend plus. Ouais, c'est fou, hein. C'est fou comme une perche, ça calme. Ouais, une perche, ça calme. Sac. Poisson. Oh, décroché. Décroché. Un poisson, tu vois. Fichon. Ouh, baby perch. Ça c'est pas mal ça. Putain, elles ont la dalle. Coffret de J-Bum quoi. T'as fait le truc énorme. Tac, tac, nickel. Tac. C'est fou comme elle l'a coffré quand même. Impressionnant. Pour le moment tu pêches en 7 grammes. Ouais. Moi je pêche en 10, je pense qu'il faut les agresser un peu plus, c'est ce qui a l'air de les déclencher. Alors, c'est deux petits poissons, tu vois, mais... Ouais, mais bon. Tu vois, ça montre qu'ils y sont. Et tu vois, toi, tu pêches plus lentement avec 7 grammes, et en fait, tu as perdu ton poisson. Exact. Tu déclenches peut-être pas la touche assez franche, et tu vois, beaucoup de gens, en fait, quand tu n'as pas de touche, ils partiraient en finesse directement. D'accord. Eh ouais, c'est vrai. Alors qu'en fait, tu peux peut-être déclencher les touches en pêchant plus lourd et en agressant le poisson. Faut pas avoir peur d'agresser le poisson, quoi. Il faut travailler les opposés, souvent. D'accord. Alors que c'est pendu juste chez eux, là-bas. Je sais pas ce que c'est. Joli. Retour au live, et cette fois-ci, c'est pour une nouvelle prise. Oui. Là, c'est pour Gaël, Evan et Kalito. On va voir de suite ce qui s'est passé sur leur bateau. Pour aller défricher, c'est pas mal. La réglette est trop petite. Parce que moi, j'ai réussi à attraper aujourd'hui. Et là. Deux, elle est décrochée. Ah, elle est décrochée. Hop, poisson. C'est pas le plancher. On part pas les pilettes alors. Attention hein. Perdons la perche. Ah ouais. On va les piquer au bord. Allez, Z-Pike. On te promenera. Résumons un peu les scores. Après 40 minutes de pêche, nous avons deux perches pour l'équipage de Julio et de Frédéric Julien et un brochet pour l'équipage de Gaël Evan et de Canito. On voit que les équipes sont derrière nous là-bas, en train de pêcher de façon assez rapide, avec du leurre souple, des animations assez sèches, on le voit d'ici. Donc voilà, ça cherche de la perche en priorité en ce début de compétition. On avait eu un écho comme quoi il y avait des perches. Alors on s'est dit, on va commencer par les perches, parce que moi j'aime pas pêcher les brochets de bonheur. Et on était assez d'accord là-dessus, on voulait attendre que le soleil monte. Mettre un peu de paillettes, tout ça. Paillettes. Manqué. Manqué. Et tu vois, ouais. La paillette. Poisson. Alors c'est la perche ou c'est le brochet encore? La paillette. Elle ne donne pas ma paillette? Non, c'est la perche. C'est la perche. Et bien, Le changement de paillette a été vive la paillette. Rhythm wave, 4 pouces. Pas peur. Tac. Coffret. Non, c'est 25 ça. 25, ouais. Tac. Ouf.
longueur, on a dit combien, 25. 25. 35, je m'emballe. C'est bien le sud, hein. Et elle faisait 42, ouais, avec... hein. Mesurée comme ça, elle arrivait là. Alors 42, c'est pas volé. Bizarre. Poisson. Poisson. Et là. Et là, il y avait de la pommade, hein. Une perche. Voilà. Nickel. C'est bon. Ouais, Gaël Even, poisson, perche de 27, on garde le point encore. Ouh, poisson, c'te tape mon gars. Coupé, coupé, broché. C'était sûr que c'était un broché. Avec nous sur le bateau, nous avons aussi la présence de Vincent De Brune, qui est guide de pêche dans la région. Alors toi, tu es basé au Moulin de Sauvage, comme c'est on l'a ça, vu. Exactement. Voilà, c'est là, c'est le camp de base que vous avez vu lors de la présentation des équipes. Tu guides du coup, en partant du Moulin de Sauvage, tu peux guider sur quel genre de biotope, en fait, c'est la Seine principalement, ou il y a d'autres choses? Ouais, alors c'est ça, moi je vais guider principalement sur la rivière du Moulin, tu vois, ouais. Parce qu'on a une rivière privée sur le Moulin que je pratique en canoë. Et d'accord. À côté de ça, je guide aussi en bateau sur la Seine, donc sur ouais. Les bras morts et sur la Seine, là où on se trouve en ce moment. Ouais, comme aujourd'hui. Ouais. Comme aujourd'hui, et aussi sur les lacs de la forêt d'Orion. On est sur la Seine, donc c'est une zone qui est ouverte à tous les pêcheurs. C'est ça, exactement, c'est, tout le monde peut venir pêcher ici. Là, on est sur un bief de 25 km avec aussi bien des bras morts que la Seine. En elle-même à pêcher, des cassures, des ponts, de l'herbe, des bois morts, enfin il y a plein d'approches différentes et plein d'espèces de poissons différentes. Tu as des brochets, des silures, des perches, des cendres, d'accord. Le chevesne aussi qu'on peut pêcher au leurre. J'en profite pour noter qu'aujourd'hui les participants ont choisi de pêcher essentiellement le brochet, la perche et le cendre. Ce sont voilà. Les trois seules espèces qui vont compter aujourd'hui. Voilà. S'il y a une autre prise, tu disais silure, chevesne, tout ça, ça comptera pas pour cette compétition. Ce sera bonus pour le plaisir voilà, de pêcher. Mais ça sera toujours le plaisir de le pêcher. Merci Vincent. Merci à toi. Donc Anthony, au niveau des points, on en est où? Ben, c'est très simple. Au niveau de la longueur, c'est l'équipe de Gaël et Jérém qui sont premiers au niveau de la longueur. Donc ils ont déjà un point pour la journée. Et après, au niveau des Big Fish, ben, on a Fred qui a une perche à 28. Donc il a le point Big Fish. C'est Fred qui a la plus grosse perche. Qui a la plus grosse perche. De 1 cm. Il a 28 et Gaël et fait 27. De 27. Donc pour l'instant, c'est. Et vu que pour l'instant, l'équipe de Fred n'a pas de brochet, pour l'instant. L'équipe Gaël et Jérém ont aussi le Big Fish broché. Bon, on espère qu'il va grossir. Voilà, un petit Big Fish, mais qui, pour l'instant, sur le tableau des scores, reste le Big Fish. On va rejoindre l'autre bateau avec Fred, Julien et Julo. Il y a un broc au milieu. Vas-y. C'est ça, là, que t'as vu? Poisson? Il l'avait vu! Il l'avait annoncé. Oh, le monstre. Le monstre. Bah, je t'épuise pas. C'est pas celui que j'avais vu. Mais bon. Ça fait quoi? Ça fait 34. Voilà. Allez, hop. Yop. Non, c'était pas celui que t'avais vu. Hein. À peu près comme ça, il était. Allez, c'est bon, ça passe. Ça passe. On pense avoir trouvé le grammage et le coloris qui leur plaît. Donc, bah, obligatoirement, on remet la même chose et on recommence. Ouais. Petit brochet. Bien joué. Ça repart. Yes. C'est bon. Allez, on part. Ah, voilà. Hey, qu'est-ce qu'on disait? Le Big Boss. La zone de confort. Ah, oh, le micro pins, mon gars. Oh, monsieur. Poisson. Joli. Petit broc. Il est peut-être plus gros que les autres. Yes. Yep. Et comme quoi. Un... Bump again. Et le coloris, c'est un truc de fou, hein. Yeah. Incroyable ce leurre.
ça qui passe. Oh putain, c'est pas possible. Oh, là. Oh, ah là, c'est pas possible. Oh, il fait pas d'effort. Ah non, là je fais pas d'effort. Moi. Et là, tu vas voir. Il est plus gros, non ? Non, il est pas gros. Pas gros, mais il y est. La belle ! Le monstre ! Allez hop ! Tu sors du soleil, tu passes sous un nuage, ta couleur a un peu changé. C'est quelque chose que moi je fais souvent. Je change, même si j'ai pris des poissons, je continue de changer, je continue d'adapter et toujours chercher. Parce celui là, qui te pas... donnera le plus de touches. Ouais, là c'est pas suffisant si tu veux, en termes d'infos. Ouais. Bon, on prend un poisson par-ci, un poisson par-là, mais c'est des petits jacks, des petites perches, etc. On n'a pas. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose d'autre à trouver, donc il faut continuer. S'il y a un coup de soleil, on remet du Red Ghost. Là, plus de soleil, on change. Ok. Ouais, poisson. Oh putain! Yes. C'est joli, toi? Oh, c'est une jolie perche, toi. Oh. Yes! Attractant. Ouais, attractant, ça a décidé. Incroyable. Bon. Ça rentre, ça score. Allez. Pour le quota. Ah, 25? 24, 25? Oh, allez, 24. Je mets de l'attractant. Ça va être rapide. À la descente? Poisson quoi. Incroyable. Il y a le banc quoi. Ah ouais, hey, elle rentre là. Super. Il y a que la tête plombée qui dépasse, c'est incroyable, ouais. Incroyable. Allez, de nouveau. 24, on met au vivier ou pas? Ouais. Allez. Bien là, le résultat est sans appel. Captain Julian avec Julo, bah, ils ont la plus grande longueur de la journée, ils ont le plus gros brochet et ils ont la plus grosse perche. Ça bouge un petit peu là, sur les coups de midi et demi. On est au mois de décembre, donc les jours sont assez courts. Ça va pêcher jusqu'à 4h30, donc il reste bien 3h30 de pêche à peu près. Voilà, donc tout peut changer. La bête, la bête. T'as pêché depuis le bout là? Non, pas là en bout. J'en ai fait que des poissons, c'est pareil, ça fait 40. Ouais. Et encore, 40, ils font pas tous 40. Hein. Non. 40, c'est le bon côté. Le mieux, c'est de prendre un gros d'entrée, un deuxième après, et après un cinquième. Là, comment ça fait là? Ah ouais. Tac. Tu dois te remettre, les blancs ils sont là, là. On va se garder ça pour un peu plus tard en linéaire là. Ouais. Il y a des blancs mon pauvre. Putain des trucs. Le chat il fait pardon, excusez-moi, pardon. Tu fais une boucle là? Non là faut faire un 1-8 sur un spinner, pas le choix. Le spinner sans quoi si tu fais une boucle il bascule. Parfait, parfait. Non, l'objectif c'est un peu, c'est pas avec un peu plus gros là. Ouais, on va essayer, on change de zone. Ouais, je vais essayer les nouveaux Tipsy, le G-Bump classique. Et après en leur dur, des petits gers comme l'Otachi ou les Gamera Slim. On va voir. Ok, en taille de leurre là, tu pars sur quelle taille à peu près? Oh, max 14 cm. Comme vous l'avez vu là juste avant, changement de stratégie un peu pour les deux équipes, changement de spot aussi. Là on est sur un bras mort qui est beaucoup plus large que tout ce que les équipes ont pêché auparavant. Oui, un très beau poste approché qui donne envie. Pour nous qui pêchons pas, ah. Ça donne envie. Oh. Donc, il semblerait que les deux équipes aient décidé de miser sur le brochet et effectivement, vu la taille des leurres qu'ils utilisent, a priori de partir sur un poisson d'une plus belle taille que ce qui se fait jusqu'à maintenant. En tout cas, les équipes s'y attellent là. On va arriver bientôt sur le coup du soir parce que mine de rien, on est sur des journées très courtes. Le soleil commence déjà à tomber. Faut rien lâcher.
Yes. Oh, décroché. Oh. Ouais. Ouais, c'était correct. Oh. Reste un broc. Hein. Là, il y a pas de... Sur la pause, là, il y a une montée de masse. Ouais. Oh. Tendu. Ouais, joli. Yes, yes. Ah, on va faire de la place sur la toise. Parce que là, c'est plus des pins. Ça maille, ça maille. Un joli fish. 62. Top. Yes. Nickel. Une autre. Parfait. C'est dans la boîte. Yes. Chatter bait. Ouais. Boomer. Au boomer, ouais. Le chatter, c'est vraiment une arme que peu de Français utilisent. Faut y penser. Mon cher Vincent, est-ce qu'on ferait pas un petit point sur les scores? Il y a de l'évolution, c'est-à-dire qu'on a l'équipe de Fred et Julot qui sont à 2m39 de poisson, et on a donc Gaël et Canito qui sont à 1m57. Au niveau des big fish, on a toujours autant de points pour Fred et Julot, c'est-à-dire qu'ils ont la big perche et le big brochet, mais ils ont amélioré leur big brochet, qui fait maintenant 62. Il y a encore un point à distribuer, qui sera distribué à la fin des deux jours, mais il y a un cendre à aller chercher. Alors est-ce qu'ils iront le chercher demain? Est-ce qu'ils vont aller le chercher maintenant? Avec un quota broché et quelques perches déjà à leur actif, moi j'irai peut-être chercher un cendre qui serait bonus déjà, qui mettrait déjà à l'aise pour le lendemain. Il reste encore un peu de temps, allez, on croise les doigts pour les deux équipes, on espère voir encore du beau poisson. Mais au pont, je vais pêcher les cendres. Donc une demi-heure. Faut dire ce qui est, l'application n'a pas trop chauffé. Hein, c'est calme, ouais, c'est plutôt calme. Et là, les équipes sont en train de rentrer gentiment. Les deux, je pense, ont pour objectif d'aller refaire quand même une ou deux perches là où ils ont fait du poisson dans la ce journée. Ce matin, ouais. Faire un petit coup de vertical à l'entrée du bras là. Et puis après, si ça marche pas, on a une autre touche, essayer de faire deux perches en plus et puis voilà. Et on mettra une corde dans un chêne et on va se prendre. Voilà, là, c'est la dernière option. Mange des chips. Les chips au calamar, c'est le top. Ah, une perche. Yes. Elle était là. Elle était là. Elle était là. Du coup, du coup. Eh, c'est super. Poisson. Je l'ai eu. Mon poisson. Mes fly, attrapé. Là, mes fly. Ah, je l'ai eu. Après une lutte acharnée. Et des longues heures d'attente. J'ai ma perche de 18. 21. Merci Kota. Je te surnommerai Kota. Et voilà, fin de journée pour ce premier jour de battle ici sur la Seine avec les équipes Ilex et Gunky, avec Fred Julien et Gal Even, accompagnés de Julot et de Canito. Au niveau des résultats, ben, ce premier jour un peu mitigé, hein, au niveau surtout, je pense, de la taille des poissons qui reste un petit peu réduite. Oui, la taille des poissons reste vraiment petite. On a eu un beau poisson qui a eu un brochet de 62, qui est une taille plutôt correcte. Hein. Malgré tout, des touches, de quoi alimenter l'application, il y a eu des points de marqués. Il reste encore 5 minutes de pêche
Et comme vous le voyez peut-être derrière nous, ils insistent, ils matraquent pour faire la dernière perche. L'autre équipe, la Gaël Even et Canito, sont plus loin dans le bras encore. Et là aussi, ils cherchent encore à faire quelques perches pour gagner des précieux points avant la manche de demain. Demain, on ne sait pas encore où se passera la suite. Honnêtement, on verra ça ce soir lors du débriefing au Moulin de Sauvage. On prend la route et on se retrouve là-bas.